les terres. Le major avec attention me regarde va et puis derrière. Si m'ayant vu de la tête aux pieds, le v'là tout à coup qui s'écrit. D'ailleurs faudra le mettre cavalier, rapport à son anatomie. Anatomie, je me dis comme ça, bon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Savais pas qu'avec ce machin-là, c'est que ça doit beaucoup paraître. Où est-ce que ça peut bien être placé, ce pauvre sacré maladie? On aurait bien dû l'examiner, si je suis atteint d'anatomie. Que je me doutais de rien, c'est tout de même extraordinaire. J'ai des parents qui se portent bien, et ma soeur c'est une bonne grosse mère. Pour que ça soit à moi que ça soit venu, c'est à vous de dégoûter de la vie. Ah, je sens bien que je suis fichu, à présent j'ai l'anatomie. Pour tâcher de m'en débarrasser, les camarades de la chambre m'ont dit qu'il fallait se trémousser, alors ils me font faire leur corvée. Aussi ça me donne un mal de chien, je balaye, j'astique, je broche, j'essuie, ça me rince, ça m'en fait rien, c'est bon pour mon anatomie. Le dimanche, quand en ville je sors, il faut dire que je suis pas à la fête, car aussitôt que je suis dehors, à peine si j'ose lever la tête. C'est bien que les gens doivent dire comme ça, sans s'inquiéter si ça m'ennuie. Venez regarder, c'est celui-là, pour soldat qu'à l'anatomie. Si jamais je meurs un bon tantôt, chose qu'arrive à presque tout le monde, je veux qu'on mette sur mon tombeau cette phrase écrite en belle ronde. Jean-Pierre François Lafleur, un soldat qui m'a sa patrie, il n'avait pas la croix d'honneur, mais il avait l'anatomie.